Hey, coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Oh ma petite Gigi, tu es en retard pour le boulot, donc tu vas vite y aller. Voilà. Ouais. Elle a parcouru les informations, d'accord. Bon, on va essayer de lui faire avoir une bonne petite promotion. Oh là là, le linge y pue et compagnie. Je pense qu'il va y avoir de la lessive aujourd'hui. Bon, après cet épisode horrible de Noël la dernière fois, et puis bah, ce matin, là, voilà, les petits viennent de perdre leur grand-père, donc va falloir qu'on prenne soin d'eux à partir de maintenant, ils seront de notre responsabilité. Toi, là, majordome, est-ce que tu peux faire quelque chose de ta vie? C'est-à-dire, majordome, attribuer une tâche, réparer un objet? Et là, il va me dire, c'est cette toilette-là qui ne peut pas réparer. Vous voyez, je ne l'ai pas réparée. Hein. Alors, les travaux de rénovation ont commencé, comme vous avez pu remarquer. Voilà, il va y avoir quelques petits changements au fur et à mesure du temps. Je ne vous dévoile rien et on verra ça en temps voulu. Eh non, vous ne rêvez pas. C'est Marcel. Ah bah oui, ça y est, il est devenu ado. Il est devenu ado. Il est devenu jeune adulte et des poils lui ont poussé dans la nuit. Voilà, il ressemble vachement à comment il s'appelle, à Jack Sparrow, un petit peu. Ah, je le trouve très mignon, moi, comme ça. Qu'est-ce que t'écoutes? Non, 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 t'écoutes pas ça. Bon, il a pas pu réparer. Toi, ok, tu vas aller manger. Faire ta vie. Marcel, divertis-toi, t'as raison. Eh, hey, il fait beau gosse quand même, hein, le petit Marcel. Aujourd'hui, on va te caser, mon petit Marcel. On va te caser avec comment elle s'appelle déjà, je me souviens même plus. Juliette. Elle est klepto, Juju. Tu vas l'appeler? Tu vas l'appeler et puis on va essayer d'arranger les choses. Irène, toi, tu es fiancée maintenant. Tu es une belle et jeune dame enceinte jusqu'au cou. Et ce qui est bien, c'est qu'on va te marier aujourd'hui et tu pourras partir de la maison. Et oui, être direct et honnête. Alors, demande d'avis. Gisèle doit donner une évaluation sévère à un collègue. Comment doit-elle procéder? Être direct et honnête, ajouter des compliments. Non, faut ajouter des compliments. Sinon, gain de performance petit. Mais c'est bien, ma belle! Ouh là là, que je suis bien! On va essayer de viser. Tu vas plaisanter avec les collègues. Voilà, performance excellente. Bon, elle est tristoune, hein. Car quelqu'un de proche. Oui, alors, parce qu'on m'avait demandé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, surtout parce que j'étais tellement dans ma famille que je n'avais pas tiré les dés pour les autres de ma. Les oncles et tantes, Louise, Gustave et tout le bordel. Eh bien, ça y est, j'ai tiré les dés et certaines personnes sont décédées. Donc, on a eu quand même de la chance, la plupart ne sont pas morts. Ceux qui sont décédés seront Louise. Et ouais, notre belle Louise est décédée et partie aussi rejoindre son frère et ses parents. Il y a aussi la femme de Gustave qui est décédée. Bon, et puis après, c'est tout. Donc, on a eu Lulu qui est encore là, Mireille. Il reste quand même pas mal de monde. Mais on a perdu la belle Louise. Donc, ça, c'est dommage. Mais bon. Et j'ai remarqué d'ailleurs que Juliette était dans la maison de Gus. En fait, elle est simplement la fille de la sœur de la femme de Gustave. Vous voyez? En fait, c'est la nièce de Gustave, mais il n'y a aucun lien de parenté directement avec les deux Saint-Paul. Donc Marcel pourra se marier avec elle. Ouf. Et puis elle grandit dans pas longtemps, donc ça pourrait le faire complètement. Ça monte bien la conversation là, vous deux, hein? Ça monte super bien, hein? Fait que dès qu'elle passera jeune adulte, tu attaqueras. Tu attaqueras et de ouf, mon petit Marcel, faut que tu fasses des petits bébés avec cette demoiselle. En tout cas. Moi, je dis que ça va rouler tout seul avec elle. Bon, ce toilette qui fuit me stresse de ouf, donc je le remplace parce que le bruit me rend dingo. Donc voilà, au moins, et c'est fait. Voilà, je préfère vous le montrer que dire que quelqu'un l'a réparé. Non, c'est pas vrai. Il est juste réparé parce qu'il me saoule. Voilà. Oui, alors vous avez sûrement dû voir, j'ai relooké le petit Jojo. Là, c'est sa tenue d'hiver. Bon, il pue. Voilà, il a fait dans sa couche. Bon, et voilà, il est très chouchou. Je lui ai mis la même coupe de cheveux que Albert. Bon, comme lui, il a les cheveux noirs, mais il m'a fait penser à Albert quand même. C'était bizarre quand même de relooker ce petit.
qui a les mêmes grands yeux verts que Albert, mais que c'est son petit-fils, Albert, quoi. Mais bon, voilà, vous pourrez voir cette nuit au fur et à mesure. Je lui ai mis un petit bonnet. Il est trop mignon. Oui, Gigi est rentrée du boulot. Bon, elle n'a pas gagné des masses. Va te falloir te divertir. Oh, il est en train de faire des conneries. Tu peux écouter un peu Radio Blabla et tu vas faire une sieste. Ah, ton fils. Ton fils. Ouais. Eh ben non, en fait, tu vas laver ton gosse dans cette baignoire d'eau qui reste là. Donner un bain de mousse à Joseph. Voilà. Au moins, il sera lavé, puis à point du cul, tu t'en occuperas un petit peu. Et puis après, dès que tout le monde est en bon état, on va pouvoir procéder au mariage. Regardez-moi ce petit poupère! Il est trop cute! Il est trop mignon. Ouais! Tu as fait ton gâteau de mariage, c'est formidable! Comme le truc de mariage est un peu accidenté. On va. Oh, magnifique! Le bonhomme de neige! Superbe! Ah non, j'avais dit qu'on irait à l'église, mais si je pars, les enfants, ils vont s'échapper. Donc, ça va pas le faire. Qui c'est qui pleure? Oh là 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 là, c'est une catastrophe. On va quand même le faire à la maison, du coup. Je vais appeler tout le monde. Bah, les rescapés, quoi. C'est parti pour l'événement mariage. Je vais juste, du coup, bouger l'arche qui est un peu inaccessible. On va la mettre là à côté du bonhomme de neige. C'est magnifique. Et je vais mettre un banc ici. Voilà, ça va être vraiment le mariage un peu pété, hein, qu'on pouvait espérer mieux. On a déjà fait mieux, mais bon, on va faire ça comme ça. Oh là 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 là, Gigi, ça ne va pas. Gigi, va aux toilettes déjà, ce sera pas mal. Hop! Oh. Oh, la petite, elle pue. Est-ce que tu peux demander un bain? Attends, on va demander un bain à ton père, ce qui doit être dans le coin. Non, non. À Marcel, alors. C'est pas ta robe, ça! Dis donc, je t'ai fait un look exprès, ma belle, hein? Hop, changer de tenue, habillée. Voilà. Bon, j'ai pas été chercher très très loin, hein, pour ce que j'ai moins. Pas vraiment de CC pour l'époque. Enfin, moi, j'ai déjà utilisé, donc j'ai pas envie de trop en faire. Bon, et 18h, tout va bien. Oh, mais qui est là? Mais c'est le marié. Oh oui, bah, j'avais oublié de l'inviter, mais heureusement, il est là. Ah, oh, regardez-moi ça. Non, je pense que Irène va nous quitter aujourd'hui, hein. Ouais, t'inquiète pas, tu vas te marier avec lui. Tu vas faire parler aux invités ce que. Oui, alors. Déjà, on va faire des petits bisous. Tu peux te changer, Gigi? T'es quand même invitée? Ah là 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 là, je vous jure. Gisèle! Gisèle! Voilà. Tu peux parler un peu à ton. À ton petit gars! Je pense que les invités commencent à arriver. C'est cool. C'est très très bien. Elle est dans tous ses états, la pauvre Gigi, là. Ça va pas du tout. Tu vas discuter ici. Ouais, puis alors, c'est pas la joie, hein. C'est un peu comme Noël catastrophe où tout le monde est triste. Ben là, ça va être le mariage catastrophe. Merde, elle doit pisser! Oh, Irène! Pff, oh là 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 là. C'est pas cool d'être enceinte, hein. On est toujours en train de faire des trucs, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gus? T'es coincé? Ah bah ouais, mais moi j'y peux rien là, à ce moment-là. Bon, je vais ramener tout le monde ici, tous ceux que je peux contrôler, en tout cas. Non, tu vas pas dormir. Je suis désolée. Bon, les petits, on va pas les faire venir, hein. C'est un peu catastrophique, mais. Hey, elle fait son pipi. Tu peux venir ici. Voilà. Et tu vas quand même remercier le peu. D'être là, bah d'être là. Le peu d'être là, d'être là. Oui! Voilà, on va discuter un peu avec tout le monde. Voilà, bah écoutez, moi quand elle viendra, quand elle sera arrivée, on pourra faire quelque chose, quoi. Bon, allez, ça va être quoi, rêver de mariage? Se marier avec Daniel! Allez, comme ça, c'est fait. Il est reparti chialer derrière les tombes. Là, ça commence à me saouler sévère, tout ça. Mais bon,
Gigi, est-ce que tu peux venir là? Oh là là là. Oui, bah écoute, tu parleras aux autres après. Marcel est là. Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de monde dans la maison là. Oh, ce ventre, Irène. C'est de plus en plus. Hé, hey, qu'est-ce que tu pars, toi, là-bas? Mais viens ici, idiote! Mais quelle est bête, celle-là. Oh! Et Choupi, si tu veux venir ici, c'est comme tu veux. Allez, c'est parti pour le mariage. Un peu catastrophique, hein, j'en conviens, mais bon. Le mariage d'Irène et de Daniel. Acte 1. Oh, et puis les autres, ils passent devant et tout. Et combien que nous on n'aura jamais un blond et qu'eux ils vont en avoir. Ah, c'est trop mignon. J'aime trop les mariages. Voilà. C'est trop mignon. On échange des bagues maintenant, mes enfants. Voilà. Faut tout leur dire. Bravo! Irène! Un petit peu d'amour dans ce monde de brutes, après les ravages de la guerre qu'il y a eu dans votre famille. Qu'est-ce qu'il y a, le petit bichon? Oh, regardez! Ah bah, Mireille aussi, elle regarde. Ils sont tous en train de regarder, genre... ouais, et alors, c'est bien. Voilà! Les voilà mariés! C'est magnifique! Et en plus, elle a faim... Ah, oh, et puis il y en a qui pètent, c'est magnifique. Tu vas couper la première tranche, couper la pièce montée. Et tu vas comme ça pouvoir manger, ma belle. Ah, mais voilà, Florent! Florent, chéri! Ta la la la, proposer de toucher le bébé. Bah oui, hein, quand même. Puis comme ça, elle sera partie, Irène, et puis on pourra inviter Florent à vivre avec nous, quand même. Il serait peut-être temps. C'est parti pour la première tranche. Où est passé Daniel? On ne sait pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui... Et c'est un mariage, hein, c'est pas... Voilà, bravo! Bravo les amoureux, bravo les mariés. Et on a l'or. Oui, on a l'or. Super! Super! Daniel vient de défoncer la maison de poupée. C'est génial. Mais tu lui as pas dit que t'étais enceinte? Bon, bah, tu vas lui redire, hein, quand même. Qu'il sache à quoi s'attendre dans les quelques mois à venir, quoi. non, c'est Taichi qui tombe dans les pommes. Non, mais vraiment, on aura tout vu, hein. Ah, avec la traiteur qui arrive 10 ans après, c'est le merdier, hein. Puis la maison qui est dans tous les sens, il y a du bordel, quoi. Bon, il y a de moins en moins de gravats. Voilà, ça se reconstruit tout doucement. Mais bon. Hein? Et Gus, il fait. Mais qu'est-ce que c'est ça maintenant? Les domestiques, ils s'endorment comme ça devant nous? Oh là là, c'est plus ce que c'était. Hein? Hello Flo! Hello Flo! Tu veux venir vivre avec nous? Normalement, il y a de la place, hein, dans la maison là. Tu pourrais l'inviter. Ah oh, bah écoute, invite-le quand même. Au lieu de mettre la table, on s'en fout là, Gisèle! Demande à ton mari de venir vivre avec toi. Oh, la tête qu'ils ont, les pauvres. Oh là là, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Alors. Tac, tac. Je ne sais pas, il n'y a pas. Après, bon, voilà, hein. Il viendra quand même à la maison, ça, c'est pas un souci. Bon, allez, il est 2 heures du matin, on va arrêter l'événement, parce que là, c'est pas... compliqué. C'était vous emménager ensemble maintenant? Oui. Comme ça, Irène s'en va du foyer, ça libère de place puisque elle et son bébé à venir. Et puis là quoi, ça avance, on avance tout doucement dans la vie. Et on va tout droit vers 1950. D'accord, il y a eu un bébé. Ah bah tiens, c'est notre traiteur et elle est là. D'accord, bon. Ok, il y a eu un bébé, ça c'est le MC Commander. Voilà, Irène s'en va, on se retrouve à 4 pour l'instant. Il y aura aussi la petite Denise qui s'en ira quand elle sera enfant, parce qu'avec elle, on va passer à l'année 1950. Et après, on se basera sur Joseph. Bon, ça va être du coup un peu long, mais on avait déjà fait ça avec Albert et Simone et compagnie, donc on va le faire.
Voilà, allez, salut Irène, on se reverra au fête de famille. Allez, salut tout le monde, salut la famille. Non, Florent, faut que tu restes par contre. Florent, 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 reste là. On a quelque chose à dire. Oui, c'est bien là. Gisèle va te parler. Ta-da-da-da. Tu veux venir vivre à la maison? Ah, bah ouais, pourquoi pas. Allez, chassez croisés. Florent, viens vivre avec nous. Yes! Et voilà la famille de Florent, Linéa, Daniel. Oh bah, finalement il y a des Daniel partout. Amélie et Oliver. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été rencontrer sa famille à lui. Donc, faudra qu'on y aille quand même, un de ces quatre. Et voilà, la famille commence à prendre forme. Oui, Florent est là. Da, 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 da. Et toi, tu dois encore pisser. Oh là là, Gigi, ça va plus, hein. Tu vas aller aux toilettes. Voilà, et puis après, ce sera dodo. Ouais, d'accord, bon, tu vas monter, c'est super. Tu fais ce que tu peux. Hop, un petit pipi. Puis vous pourrez squatter. Ah, oh, ça y est, ça, la neige revient. En même temps, c'est vrai qu'on a eu du calme au niveau de la neige. T'as combien de temps, là? Troisième trimestre en 17 heures. Très bien. Non, tu vas pas dormir, tu vas t'asseoir. Ouais, vous allez réclamer, hein. De toute façon, il n'y a pas 15 000 lits non plus disponibles. Va aux toilettes, ma belle. Et puis, vous pourrez passer à des choses un peu plus sympathiques après. Allez, vous allez sceller votre amour. Ah, il y en a un qui est réveillé, qui est pas content, là. C'est... Qu'est-ce qu'il a, Marcel? Bon, bah, va te laver, Marcel, t'as raison, tu pues. Vous allez vous faire un gros bisou et puis vous allez fêter ça dans le lit, hein? Voilà, un petit crac-crac tranquillou. Avec son gros bidou. Ouais, ça y est, les mariés se vivent enfin ensemble. Il en a fallu du temps. Mais qu'elle va tomber dans les pommes, mais non, Gigi. C'est pas vrai. Ça craint. Alors? Ok, c'est bon, ça fonctionne. Pendant qu'il y en a un qui s'éclate dans le bain, les autres vont s'éclater dans le lit. Et puis, je la ferai pas aller bosser parce qu'elle va être dans un état et quasiment 5 h du matin. Ça craint à mort. Donc, tu vas prendre un jour de congé tranquillement, ma belle. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis, à très bientôt pour la suite du Tickets Challenge ou d'autres choses. Je vous embrasse très fort. Ciao!